Am I insane? I wouldn't necessarily say I'm crazy, simply because I've heard the voices and battled the godless things in the woods. But I must be crazy to believe. It all started with that damn book, the Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, the Book of the Dead. Inked in human blood and bound in flesh, the book contained bizarre burial rites, prophecies, and demon resurrection passages. Professor Raymond Nobe unearthed the book and brought it to this remote cabin where he could translate it. He awoke something dark in the woods, something evil. It got the professor. Then, it came for me. It got into my hand and it went bad. So I lopped it off at the wrist. The professor's daughter, Annie, helped me fight the evil. Using the book, we opened up a vortex to send the evil back. It worked. Big time. The girl died and I got a first-class ticket to the 12th century. I led a war against an army of deadites and used the book to get back home. Back to Dearborn. Even got my old job back. Not to mention, I met a great gal. Jenny, assistant manager, arts and crafts. We were the perfect match. But then, the nightmares came. For years, they haunted me, even when I was awake. Jenny thought I was crazy, but she agreed to help. We decided to go back to the cabin, back to where it all started. She said it would be good to face my fears. Big mistake. What's going on, guys? Eh oui, c'était bien Bruce Campbell. Press the friggin' start button, would ya? Arrête de me gueuler dessus, Bruce. Enfin, Ash Williams. Alors, Evil Dead, Hail to the King, est un jeu PlayStation qui est sorti en 2000. Alors, on est dans le problème, c'est que c'est tiré d'un film, c'est tiré d'une franchise. Donc, Evil Dead, les films, le premier film, il est sorti en 81, je crois. Après, le deuxième, c'était 87. Hello. Press the button. Je parle. Et le troisième film, L'Armée des Ténèbres, c'était en 90, je crois, ou 91. Donc là, on parle de vieux films qui sont encore très très bien. Je vous conseille d'arrêter la vidéo. Si vous connaissez pas Evil Dead, bah déjà, en fait, vous allez avoir du gros spoiler. Putain, hache ta gueule. Et je vous conseille d'arrêter la vidéo et de foncer, récupérer ces films. Je sais pas, débrouillez-vous, mais regardez ces films parce que c'est vraiment bien. Et il y a une série qui se passe du coup 30 ans après, qui s'appelle Ash vs Evil Dead. Et il y a deux saisons, et elle est vraiment bien, elle est vraiment top, donc allez regarder la série. Moi j'ai vu tous les épisodes, j'ai vu les deux saisons, c'est vachement cool, et c'est toujours avec Bruce Campbell, donc c'est pas mal. En tout cas, par rapport au... c'est chiant. Mais ce qui est bien, en fait, au début, j'avais un doute sur le fait que combien d'argent est passé dans le film, dans le côté film, dans la franchise, pour le jeu. En fait, beaucoup, parce que toutes ces paroles, en fait, c'est Bruce Campbell qui les a enregistrées. Et apparemment, il les a faites pour le jeu, parce que bon, là, quand il dit de presser le bouton start, c'est pour le jeu, donc les voix, enfin voilà, elles sont tirées de l'acteur, donc voilà. Donc c'est synonyme. Ce que je veux dire, c'est que le jeu n'est pas bien. Voilà, ça me fait chier parce que bon, j'aime bien Evil Dead, mais le jeu est très très moyen. Donc c'est une sorte de Resident Evil-like, survival horror, tout ça. Mais vous allez voir les graphismes, c'est pas ça. On va voir les options, mais il n'y a pas grand chose. Les graphismes, c'est pas trop ça.
Après, il est sympa. Personnellement, moi, j'y ai jamais joué. Donc, c'est un jeu que je connais pas à la base. Parce que ben, je connaissais pas Evil Dead quand j'étais petit. Voilà, tout simplement. Et quand j'ai vu la boîte du jeu, j'ai jamais pris parce que ça m'intéressait pas vraiment. Donc, en 2000, il y a quand même déjà Resident Evil 1, 2 et 3 qui est sorti. Donc, Resident Evil 3, c'était en 99. Donc, niveau graphisme, on est quand même assez avancé dans la PlayStation. Hein, on est d'accord. Donc, là, vous allez voir que Evil Dead, c'est pas vraiment ça. Après, il a été porté, je crois, sur Dreamcast et sur PC aussi. Et apparemment, Dreamcast et PC, c'est encore pire, les graphismes. C'était vraiment pas fait. Parce que la Dreamcast est potentiellement plus puissante que la PlayStation 1. Et même, du coup, le PC est plus puissant. Et ben, les graphismes, c'était pas ça non plus. Donc voilà, la PlayStation reste la version la plus avancée, la meilleure. Voilà. Désolé, c'est un peu dur de garder les pensées et ce que je voulais dire quant à H qui arrête pas de dire ah, presse un bouton, c'est super chiant. Donc voilà, on va lancer le jeu parce que sinon je vais m'emmêler et je vais un peu plus parler du jeu en détail. At first everything looked the same, like nothing ever happened. I wondered if all of it had just been a bad dream. Boy, was I wrong. Oh no, not again. Damn it, it won't shut off. Sobar. Gata. Nos gata. Jenny. Alors les cinématiques comme ça, elles sont... Même ça, elles sont moyennes en fait. Je trouve. Resident Evil faisait beaucoup mieux, même le Resident Evil 2 qui est sorti enfin avant ça. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que ce film, c'est un peu comme The Thing qui est sorti, le jeu. C'est que ça se passe après les trois films. Donc ça se passe après Evil Dead 1, 2 et 3, ce qui est assez cool dans un sens parce que ça rajoute un peu d'histoire à la franchise du film si vous êtes fan. Donc c'est plutôt bien. Par contre, désolé, il n'y a pas de sous-titres. C'est un peu chiant, parce que c'est la version américaine, comme j'ai dit. Bon, en gros, on doit récupérer les pages du Necronomicon. Le Necronomicon, c'est... Ah putain, ça va faire chier. Si vous connaissez pas le film, vous allez lutter pour comprendre. Et vous allez lutter pour comprendre pourquoi aussi c'est un mec avec une tronçonneuse à la main, quoi. Je sais, ça paraît très con, mais c'est vachement bien, en fait. Écoutez, écoutez. Groovy, groovy. Groovy. À la fin de la vidéo, enfin sûrement de la deuxième, je mettrai une petite séquence du film. Je crois que c'est tiré du deuxième film, Evil Dead 2. Et c'est tellement classe que... Enfin, c'est juste classe. C'est pure hormone de mec alpha, quoi. C'est juste trop classe. En tout cas, parce que Ash Williams, c'est quand même l'incarnation du mec, du mâle alpha, quoi. C'est vraiment le mec qui a la classe et voilà, c'est plutôt cool. En tout cas, bon, ça marche comme un Resident Evil, Tank Control. Après, on a, voilà, bon, ça c'est pour tirer. Donc on a X et carré pour attaquer. Rond, c'est pour revenir en posture normale. Come get some. Et Y, en fait, apparemment, c'est comme Devil May Cry, j'ai l'impression. Let's go. C'est pour provoquer les démons. Ouais, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Yo. Bon, on verra. Après, on a la gâchette. Où c'est que je peux allumer ma tronçonneuse? Parce que je peux taper avec la tronçonneuse, mais sans l'allumer, bien sûr, ça fait moins de dégâts. Quoi d'autre? On peut aussi courir, évidemment. Voilà. Après, le système du... Come get some. C'est cercle pour analyser les choses. Après, le point de vue technique, le jeu est exactement comme un Resident Evil, donc c'est des décors en 2D.
Oh merde. Voilà, on l'a tué, ça y est. C'est des décors en 2D. Le personnage est en 3D, les objets aussi qui tombent sont en 3D. Enfin voilà, c'est exactement le même système hein, que les Resident Evil. Après, c'est plus porté action. Oh putain. On peut faire des finishing aussi si j'y arrive un jour. Voilà, c'est plus porté action. Quoi dire d'autre? Après, graphiquement, voilà, comme j'ai dit, Resident Evil 3 est plus beau. Est-ce que celui-là est moche? Non, il est pas moche non plus, hein, faut pas exagérer. Mais ça aurait pu être mieux. Je pense que, voilà, comme j'ai dit, encore une fois, c'est un jeu tiré d'un film. Donc, tout l'argent est passé dans les droits du film. Voilà, c'est ça que je voulais dire à la base, c'est les droits du film. Qu'est-ce qu'on a? Un sandwich. Cool. Et les droits, enfin surtout l'argent, je pense que c'est Bruce Campbell qui a dû être payé surtout parce que c'est lui qui arrête pas de parler pendant tout le jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Après pour nous c'est plutôt cool parce que Bruce Campbell est quand même un très bon acteur. Je suis sûr que beaucoup de gens le connaissent pas des masses. Parce que c'est vrai qu'il est connu surtout pour les Evil Dead. Et les Evil Dead, ça, les jeux ça a 30 ans. Les films, pardon, les films ont 30 ans, donc je peux comprendre que les gens ne connaissent pas trop. Mais c'est un très bon acteur. Et c'est vraiment sympa d'avoir un jeu comme ça, tiré de film. Donc là, c'est la trappe pour aller dessous la maison. Quoi dire d'autre? Enfin voilà, après moi je le trouve sympa. Les contrôles, après, c'est pas pourri non plus. C'est comme un Resident Evil, franchement. C'est aussi rigide qu'un Resident Evil, en fait. C'est aussi rigide, c'est pareil. Donc ça, c'est la cabane où c'est que, voilà, les choses se sont passées. Yeah! Les bruitages sont un peu pourris, quand même. Je dois avouer, c'est pas top. Donc là on a le flingue, aussi on peut avoir une hache plus la tronçonneuse. Vous avez vu qu'il y a une barre en dessous de la tronçonneuse, donc c'est bien sûr la barre de fuel. Là j'ai un truc de fuel. On a aussi la map. Voilà, on a la map, donc c'est assez grand. Et ce qui est sympa, c'est que dans le film, en fait, on voit pas trop autour de la cabane, à part certains... il a plus de... Voilà, pour bien se mettre devant un esprit, c'est assez chiant, j'avoue. Donc voilà, c'est ça la difficulté des combats, en fait. Voilà, c'est surtout ça la difficulté des combats. Ouais, alors, comme je disais, en fait, ce qui est bien... Bon, oh cool, on a une pelle. Un cadavre qui... Je crois que ça, c'est sa femme... Non, ou sa sœur. Sa sœur ou sa... Qui l'a enterré. Je crois que c'est sa sœur qui l'a enterré ici. Là, par contre, je lutte à mort pour combattre. Enfin... Je pense que j'ai bon. Faudrait que la caméra, voilà, soit un peu mieux. Ouais. Faut que je me soigne par contre. Come get some. Let's go. Non, on va se soigner, voilà. Bon, après, les trucs de soins apparaissent souvent, donc ça va. Quand on tue un monstre, ça apparaît, donc on peut soigner en fait ce qu'on a perdu. Donc c'est plutôt cool. Voilà, la difficulté en fait du jeu, je pense que c'est surtout de se battre avec les contrôles. On va essayer de l'esquiver. Putain, non, il est devant moi. Est-ce qu'on récupère un objet? Non.
pas tout le temps. Sympa la tronçonneuse là qui saigne parce qu'il y a du sang dessus, ça c'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt cool. Un sandwich avec trop de mayonnaise. Là il y a quoi? C'est un peu sombre, je dois dire que je vois pas grand chose personnellement. Avec comment j'ai configuré, enfin entre la brillance de l'écran et l'émulateur, j'avoue que je pensais pas que le jeu allait être aussi sombre, donc c'est un peu la merde pour moi pour voir. Normalement vous sur la vidéo ça devrait aller, mais pour moi je lutte un peu. On a une crowbar, un pied de biche. Alors je vais un peu esquiver cette merde. Yo. On a récupéré, donc on a de l'essence. Là on a un plus gros, on a des petits et des gros. Réservoir d'essence, donc ça c'est cool. Après il y a un truc bizarre, alors, je sais pas trop encore comment ça se passe, hein. Comme d'habitude je connais pas le jeu. On a des mushrooms, des champignons rouges, mais on sait pas trop comment les utiliser apparemment. Can be harvested for fuel. Apparemment on peut les utiliser pour du fuel, voilà, pour de l'essence, mais je crois qu'il faut trouver sûrement une sorte de merde, non, c'est pas par là. Bon, toi on va te tuer, peut-être un workshop ou un truc comme ça, quelque chose pour l'utiliser, ou alors c'est un skill que j'ai pas encore, un truc comme ça peut-être. Par contre, on va un peu s'activer. Ah! Comment ça marche? Ah, c'est comme la boîte de Resident Evil, en fait, je crois. Ah putain, je peux pas en avoir juste deux. Non, pas vraiment, non. C'est comme la boîte de Resident Evil, ça c'est cool. Ça c'est un converteur, je sais pas ce que ça veut dire exactement, je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est avec ça qu'il faut utiliser les champignons? Non. Apparemment il faut faire des recherches dessus, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas où. There are no useful items on the workbench. Voilà, un workbench, ouais, c'est ça qu'il me faudrait peut-être. Apparemment non, il y a juste une boîte. Donc, bon, on sort. Oh. Les combats c'est du... C'est tu massacres le bouton quoi, enfin voilà, c'est... Il n'y a pas vraiment de stratégie, hein. Parce que vu qu'il n'y a pas trop d'esquive, et comme j'ai dit les contrôles sont assez rigides... Oh putain, il y a du bordel. Je vais voir si je suis dans la bonne... Enfin, je sais pas où je dois aller. Peut-être en haut, à droite, le village, là. Ouais, on va aller là. Ouais, je sais pas si j'ai fini ma pensée. Je disais que dans le film, ça se passait surtout dans la cabane. Dans les trois... Enfin, les deux premiers films. Et on voyait pas trop les alentours, sauf quelques scènes de... Oh, putain. Sauf quelques scènes. Mais là, bah, du coup... bah du coup c'est plutôt cool parce que là on va visiter tout autour de la cabane, sympa. Même si je pense que ça a rien à voir avec le film, mais enfin je pense pas que ceux qui ont développé le film ont travaillé sur le jeu, mais enfin voilà quoi. Qui c'est qui parle? Come get some. Ah oui, par contre ça a été développé par Heavy Iron Studios, j'ai oublié de le dire, et THQ, publié par THQ. Normalement ça je le dis au début de la vidéo, mais putain, mais H il m'a tellement perturbé à me dire à chaque fois d'appuyer sur start. Enfin Bruce Campbell. Ah.
Oh merde. Non, attends, on va partir.